Dans la rubrique culture de ce numéro, nous allons à la source d'une histoire, celle de la Gani à Coindé. Le traditionnel rendez-vous de la fête de la Gani, une fête culturelle et culturelle, vient une fois encore de rassembler les filles et fils du royaume de Coindé autour de Sa Majesté Bangana Suru II. On a aujourd'hui 4 familles qui règnent à tour de rôle. Il y a la famille des Bangana Suru, ça c'est les Fiko. Si vous voyez la Bangana Suru, c'est les Fiko. Ici les Dogo, les Orusuru et les Suru. Une fête à laquelle on prépare des personnalités de haut niveau et un monde impressionnant venu de l'ensemble du territoire national. Le parcours rituel de Bangana Suru II l'a conduit dans un premier temps à la place Bouro, un lieu historique et significatif pour le royaume. La seconde étape du périple royal a été l'hôtel de ville de Coindé où attendait Sa Majesté le conseil de la localité. Bangana Suru II sera raccompagné par le cortège royal au milieu des trompettes et d'une marée humaine à la cour royale où la prière a été dite pour donner le top d'un autre tournant de la fête de la Gani. Pour cette édition, le roi de Coindé, tout en remerciant le ciel, a félicité les filles et fils du royaume pour la réussite de la fête. C'est tout pour ce deuxième numéro de votre magazine Écho de la Takora et de la Donga. Retrouvez-nous très prochainement pour une autre émission. Bye bye.